Allez, c'est parti. Donc, on est le 26 février 2022. On va regarder un petit peu l'état des colonies. Certaines sont pas mal actives et d'autres beaucoup moins. Donc, ça va être l'occasion de faire un petit point et de commencer à grandir aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de fruitiers en fleurs. Les amandiers sont en fleurs. Il commence à y avoir les petits prunelliers un peu partout. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Celle-là, c'est une toute petite ruche où j'ai eu de la fausse teigne en novembre. Donc elle était sur 6 ou 7 cadres de mémoire. Je l'avais réduit sur 3 cadres. Donc on va regarder si la colonie a pu survivre. Vu les rentrées de pollen, je pense que oui. Et puis on va voir s'il faut agrandir. Allez, c'est parti. Donc déjà, elles ont tout mangé. Alors le but c'est pas de faire une visite de printemps, hein. C'est juste de s'assurer déjà à sortir tous les paquets de candy vides. Attention les filles. Hein. Donc ça a l'air bien occupé. Donc on va regarder un petit peu. Donc là on a déjà du couvain, je vois. Par contre on n'a rien à manger. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des cadres. On va pas lever, hein, on va pas les embêter. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, elles sont en train de nous faire des cellules. Ah, mais même, il y a une reine. Ah d'accord, la reine a été changée sûrement. Ah alors attendez, on va regarder juste ça. La reine a été changée ou va être changée. C'est sûrement un changement de reine de début de saison. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une cellule royale. Alors est-ce qu'elle est née? Ah ouais, il y a une reine qui est née. Donc bon, on a du couvert à côté, par contre c'est sec sec. Mais du coup je vais. Et par contre, on va avoir une. Je vais mettre un cadre avec du miel. Et si besoin, peut-être je remettrai un candy, je ne sais pas encore. Donc là on a un cadre plein de miel pollen. Alors bon, le problème c'est que le miel est vieux. Je ne sais pas si elles arriveront à le consommer. Donc dans le doute, ce que je vais faire dans le doute, c'est que je vais mettre un pain de candy en plus. Voilà. Et là, je touche pas plus à cette colonie. Ce qu'on fait, hop, on pose le candy. Tac. Et puis voilà. Bon, il faudra s'assurer du coup qu'il y a de la... Que si je fais ça, ils pourront y aller, je pense que oui. Allez. Bon, toujours pareil, le but c'est pas de lever tous les cadres. C'est juste de. Déjà, on va soupeser. Ouais. On va voir ce que ça dit. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire, déjà enlever des cadres. Ou en rajouter. D'accord, donc là bon, on voit qu'il y a du monde. Est-ce que ce sachet il est vide vide? D'accord, là j'ai une araignée. Donc on va regarder les cadres de rive, est-ce qu'on peut en enlever? Qu'est-ce qu'on a? Donc là on va sortir un petit peu tous les cadres qui sont secs. Voilà, ça c'est un cadre qui est vide et qui est sec. Alors il n'est pas marqué, je ne sais pas de quand il date. Mais dans le doute, on va le changer. Aussi. Oh, mais il n'y a rien à manger là-dedans. Va falloir qu'on lui donne aussi à manger à celle-là. Et là, il reste un tout petit peu de miel. Je regarde si c'est pondu. Non, c'est pas pondu. J'aurais bien aimé voir du couvain parce que. M'assurer qu'il y a du couvain. Là il y a un peu de nectar qui rentre. Enfin, là il y a un petit peu de réserve mais il n'y a pas grand chose. Et donc il va falloir nourrir. Hein. Donc ce cadre là je vais le laisser. Celui-là, je vais en mettre un là qui soit tous les deux.
route. Tac, tac. Tac, tac. Et on va lui mettre aussi un petit peu de candy. Et voilà, candy. De tenir.